Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'accord de l'attribut en dictée. Commençons par une définition. Un attribut est un mot ou un groupe de mots qui qualifie le sujet et qui est relié à lui par un verbe d'état comme être ou tout autre verbe que l'on peut remplacer par être. Dans la phrase « Elles sont heureuses de partir », l'adjectif « heureuse » qualifie le sujet « elle » et est relié à ce sujet par l'intermédiaire d'un verbe d'état, ici le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. La règle générale est que l'on accorde l'attribut en genre et en nombre avec le sujet. Cela explique l'accord au féminin pluriel de l'adjectif heureuse, puisque le sujet est lui-même au féminin pluriel. Quand l'attribut est un pronom, cette règle s'applique également. Ainsi, dans la phrase « Quelles sont vos perspectives de carrière dans cette entreprise? », le sujet est « Vos perspectives de carrière ». C'est donc un sujet au féminin pluriel. Donc, le pronom interrogatif « attribut » sera accordé au féminin pluriel. On fera particulièrement attention au pronom numéro invariable. En effet, dans la phrase « Ils seront 7 au dîner de demain », je dois écrire 7 sans ajouter de S à la fin, évidemment, puisque 7 est un pronom numéral invariable. Il en va de même pour les adverbes attributs qui restent invariables quand ils endossent cette fonction. Nous serons ensemble pendant le vol. J'écrirai ensemble sans ajouter de S, car ensemble est un adverbe, il est donc invariable.